Jacob, darling. Venez donc. À notre partenariat fructueux. Et au moteur flambant neuf que j'ai entre les mains. Passons aux affaires. Milner a fui vers la Tamise afin de surveiller ses bacs. C'est tout ce qu'il lui reste. Prêt à y laisser la vie, sans doute. C'est justement ce que je compte lui prendre. Tuez-le. Ah, ce n'est pas votre premier verre de champagne, pas vrai? Le succès est plus grisant que l'alcool, Monsieur Fry. Alors, gardez-m'en un peu. Bon, comment faire sortir le pantin de Staric de son trou? La vue de ses bacs en flammes, peut-être. Allons faire sombrer l'entreprise de Milner. Comment a-t-il réussi à passer?
ce qui se passe. Je savais que ce jour viendrait. Monsieur Starik était furieux de perdre les moteurs. Et voilà ma punition. C'est Pearl Attaway qui m'envoie à Starik. Alors ils travaillent de nouveau ensemble. Je n'aurais jamais dû me glisser entre Monsieur Starik et Miss Attaway. Les liens du sang sont toujours les plus forts. Comment ça, les liens du sang ? Il est temps que j'aie une petite conversation avec cette chère peur. Tu essaies de me chatouiller, toi ? Voilà. Qu'est-ce que tu nous mijotes, Pearl ? Oh.
persuadé qu'il savait que j'appartenais à l'ordre et qu'il était là pour me tuer. Imagine ma joie quand il m'a avoué son véritable but. Un assassin qui aide les Templiers. Ça vaut son pesant d'or. C'est écœurant. Ce sont les affaires, cousin. Oublie tes œillères. Cesse de me jeter ces regards noirs, cousin. Tu vas retrouver tes moteurs. Nos omnibus à pétrole vont nous rapporter beaucoup d'argent. Je vais devoir prévoir le rapatriement de ces moteurs à mon usine. J'exige ta présence à Waterloo, afin que tu t'assures que tout se passe bien. Bien sûr. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Dans toutes nos entreprises, cousine. Waterloo Station. La porte est coincée. Encore ? Y a qu'à la jouer. Sûrement quelque chose d'intéressant.